tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser des cuisses de poulet rôti au citron. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai un invité spécial, le docteur Ducamp, qui va vous raconter l'histoire de cette recette. Voilà. Alors cette recette, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je suis là. Parce que c'est une recette que j'ai faite avec ma fille. Donc, ma fille est seule un soir. Elle est aux protéines pures une fois de temps en temps quand elle va partir en vacances. Et elle me dit, papa, mon Jules est au football. Je t'invite à dîner. Donc j'arrive et je vois dans sa cuisine deux magnifiques cuisses de poulet. Ici, il y en a trois, mais à l'origine, deux cuisses de poulet, un peu plus grosses. Et donc, elle les prépare, elle me dit, va dans le salon, regarde la télé, je t'appelle quand c'est fini. Voilà. Donc, on va les préparer telles qu'elle les a fait. Et après, vous allez voir qu'il y a une petite surprise. Une grosse surprise. Alors, pour commencer, pour réaliser cette recette, nous avons besoin d'un petit peu d'huile d'olive, à raison de 1 cuillère à café par jour, je vous rappelle, qui est autorisée, de 3 belles cuisses de poulet, d'un gros citron, d'un oignon, d'un peu d'ail, d'un peu de sel, et là, d'un peu d'herbe, enfin, là on a mis de la nette, mais ça peut être l'herbe que vous souhaitez, de l'origan, du basilic, voyez en fonction de la saison. Donc, pour commencer, on va badigeonner voilà, les cuisses. C'est moi qui vais le faire. Voilà. Hein, pas trop. Un petit poulet. Voilà. Oh, là aussi. Voilà. On y est. Alors, maintenant que nos cuisses sont bien badigeonnées, on va découper des rondelles de citron. Hop. On va venir tout simplement disposer dessus. On va ajouter de l'oignon, pareil, c'est vraiment grossier. Un petit peu d'ail. Ça sent bon. Et une petite pointe de sel. Et maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner. C'est parti, Pierre. Allons-y. Allez, dites-moi où je le mets. Voilà, ici, en plein milieu. À 160 degrés. 160 degrés. Et on surveille la cuisson. À tout à l'heure. Allez, sortez-moi ce poulet. On va voir un petit peu où il en est. Alors, voyons ce poulet. Oh, il est bien confit. Hein, qu'il est bon. Ah oui, ça alors, sent bon. Elle sort le poulet. Puis elle m'a dit, alors je lui ai dit, mais enfin ma fille, c'est quand même un peu court ton poulet. Elle me dit, ben oui, mais je suis aux protéines, alors ben, je suis obligé. Hein. Ben, je prendrai un yaourt après. Ben, je lui ai dit, un yaourt, une cuisse de poulet, ouais. Ben, je pense que tu te la fais pas belle, hein. Tu peux faire beaucoup mieux. Elle me dit, ah bon, papa, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui ai dit, écoute, je vais te faire une surprise. Tu vois ce bon petit jus là, eh ben, c'est vrai que ça sent très très bon là, le écoute, jus. Voilà le secret. Le secret, c'est le shirataki. Ce sont des pâtes de konjac. Elle me dit, mais j'en ai mangé déjà à midi. Mais j'ai dit, mais alors ah bon, on peut en manger à volonté, en fait. Tu peux en manger à volonté, matin, midi et soir. D'accord. Il n'y a pas de... y a rien, il n'y a pas de calories dedans. Alors, le shirataki, c'est ça. Hein, voilà. Donc, l'essentiel, c'est, il sort du paquet, on le rince à l'eau très chaude. Alors, ce shirataki, regardez bien, hein, je le mets dans le jus de la sauce. Oui, parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment beaucoup de goût. C'est, ça soi, prend la goût, le goût, finalement, de la sauce dans laquelle on le met. Oui, voilà. Alors là, je lui ai fait ça. Mais alors, vraiment, avec le fond du cœur. Et il y a... Alors, bien mélangé. Jus, etc. Le jus du poulet. Regardez comme c'est bon. Ça sent bon. Le jus c'est vrai citron, que ça sent bon. Le jus des petits oignons grillés. Regardez. Et je lui ai mis ça en... avec le citron, oh, c'est une folie, il en faudrait deux, voilà. Vous en faudrez une seconde, tenez. Voilà. C'est vrai que ça fait une assiette très sympa, donc c'est une assiette en plus pépé. Protéines pures, sans aucun toléré. On peut toléré. Le faire pendant la phase de l'attaque. Écoutez, quand on a mangé ça... C'est un plat réconfortant. Voilà. Bon, est-ce que je peux l'emmener?